Je suis arrivée en 2006 à l'atelier intégration pour du montage mécanique, du câblage filaire. J'ai participé ensuite à divers produits, à diverses missions pour du câblage de baies électriques, de l'enrobage pour du médical. Suite à ces expériences, on m'a proposé d'évoluer dans mon poste. Du coup, je suis maintenant chef d'équipe de l'atelier intégration et de la salle blanche spatiale. Je dirais la diversité. On travaille sur divers produits. Mes équipes sont amenées à faire du montage mécanique, du câblage filaire sur différents produits, de l'aéronautique, du médical. Je dirais également la taille humaine de l'entreprise. Il y a l'entraide, il y a la bienveillance. C'est une grosse entreprise, mais on se connaît quasiment tous. Pour moi, la première valeur, c'est l'excellence. On travaille sur des produits incroyables. Chaque avion a une carte électronique Trunéco à l'intérieur. On a également trois salles blanches avec un niveau de qualité encore supérieur, de la traçabilité pour des produits comme le spatial ou le médical. Pour moi, la deuxième valeur, c'est l'innovation. On travaille beaucoup en collaboration avec le BE pour travailler également sur les prototypes de nos clients, mais également sur nos propres prototypes, nos premières fabrications, etc. Pour travailler à Trunéco, pour moi, il faut être manuel et minutieux, mais aussi travailler de sa tête. Mes collaborateurs arrivent le matin avec leurs kits et leurs plans et elles doivent fabriquer leurs produits vraiment quasiment de A à Z avec différentes tâches durant leur journée et souvent les journées passent vite.